C'est un nom de famille très répandu en Afrique de l'Ouest. Traoré, Assa porte ce patronyme, ce nom qui puise ses racines au Mali. Son père a déposé ses bagages en France alors qu'il n'avait que 17 ans. Assa Traoré est née en 1985. Elle est la huitième d'une fratrie de 17 frères et sœurs. Depuis le 16 juillet 2016, l'un d'eux manque à l'appel. Il s'appelle Adama. Il est mort dans les locaux d'une gendarmerie à Persan, en région parisienne, jour où il devait fêter ses 24 ans. Alors la vie d'Assa bascule. Vérité, justice, elle n'aura de cesse de marteler ces mots depuis cette nuit d'horreur. Devenue l'icône d'une lutte, chef de file du collectif Justice pour Adama, Assa Traoré est notre invitée diaspora. Bonsoir Assa. Bonsoir. Alors le 16 juillet, votre vie prend tout un autre sens. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre frère est mort ? Donc mon frère, comme vous venez de le dire, mon frère a été retrouvé mort le 19 juillet, le jour de son anniversaire, dans des conditions atroces, dans les locaux de la gendarmerie à Persan. Donc la mort de mon frère nous a été cachée. Dans un premier temps, c'est quelqu'un qui vient prévenir mon petit frère Samba en disant que Adama est à l'hôpital. Ma mère et mon frère vont se rendre à l'hôpital, il n'y a pas d'Adama. Ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours, il n'y a pas d'Adama. Et ils vont appeler les pompiers qui vont les basculer directement vers la gendarmerie. C'est là que tout de suite, ma famille, ma mère se dit qu'il y a un problème. Ils vont se rendre devant cette gendarmerie. Pendant plusieurs heures, on va leur cacher la vérité, on va chercher Adama. C'est qu'aux alentours de 23 heures, mon petit frère Yacouba, qui est aujourd'hui en prison, parce qu'il a mis le pied devant cette gendarmerie où on demande où est Adama, qu'on apprend la mort de mon frère plus de plusieurs heures après sa mort. Donc mon frère, est tout de suite après sa mort, est criminalisé. On va dire que mon frère est mort sous l'emprise de l'alcool. On va dire que mon frère est mort sous l'emprise de la drogue. On va dire que le procureur Yves Janier, qu'on a fait dessaisir de l'affaire avec notre avocat Maître Bouzrou, va dire que Adama est mort de cause cardiaque, que Adama est mort d'infection très grave. Donc c'est le système français, quand il y a des crimes policiers et de gendarmes, tout de suite on va criminaliser la famille et mettre ça sur des causes de maladie. Donc on va se battre avec le comité, ma famille, pour vérité et justice pour Adama. Donc on va revenir sur votre combat judiciaire et médiatique, hein, à la mémoire de votre frère. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur l'histoire, votre histoire, celle de votre famille. Une famille recomposée, mais une famille aussi très soudée et fusionnelle. Votre père, Mara Siré, était malien. Il a eu 4 épouses avec lesquelles il aura 17 enfants. Et vous, très jeune, vous avez endossé très vite des responsabilités. Expliquez-nous. Moi, j'ai grandi avec mes petits frères, dont Adama et mes grands frères. Eux avaient déjà pris leur majorité, avaient déjà pris leur indépendance. Donc moi, je suis la plus grande qui est restée à la maison. Donc tout de suite, j'étais la grande sœur qui était là avec les petits frères. On faisait les devoirs dans l'accompagnement du quotidien. Mais c'est un combat tout de suite qui est pris par tout le monde parce que même les grands frères ont toujours eu une place très importante dans notre famille. Et mon père a toujours préservé ça depuis notre enfance, que chacun a une place importante. L'enfant avait une place très importante aux yeux de mon père. Et on le ressent aujourd'hui dans le combat de Adama. Parce et justement, que avant de mourir, votre père a eu des mots très forts. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il dit qu'il fallait qu'on soit là les uns pour les autres, que s'il arrivait quelque chose à qui que ce soit, il faudrait qu'on puisse se battre, comme s'il savait qu'il pouvait nous arriver quelque chose. Et c'est tout de suite, c'est ce qu'on a fait sans réfléchir. Quand on nous a enlevé Adama, quand on nous a enlevé mon frère, c'est notre moitié, c'est quelque chose... C'est une partie de nous. Bah, cette mort, elle ne pouvait pas rester impunie. Cette mort ne pouvait pas passer dans les journaux comme quelque chose de banal. Et on a demandé cette justice qui nous est due. Et qu'est-ce que vous connaissiez du pays de votre père, le Mali ? Beaucoup de choses, parce que mon père nous racontait beaucoup son histoire. On a eu la chance d'avoir un papa qui nous parlait beaucoup. Donc, il nous a raconté qu'il avait quitté le Mali à l'âge de 17 ans. Mais avant de quitter le Mali, j'ai mes grands-pères qui ont fait la guerre en France, la guerre 39-45, qui ont combattu en tout cas pour cette République, qui ont combattu pour cette France, cette République qui leur a enlevé aujourd'hui leur petit-fils. Et mon père nous a raconté tout ce parcours avant d'arriver ici. Donc c'est un pays auquel on est très attaché. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis de cette culture ? La langue. Je sais parler le soninké, je comprends très bien le bambara, la culture de chez nous, la gastronomie de chez nous, vraiment tout ça, quelque chose qui a fait de ce que je suis devenu aujourd'hui et de ce qu'on est devenu aujourd'hui, parce que c'était important d'avoir... mon père était en France, il nous a beaucoup parlé de son parcours en France, mais très attaché à ses racines africaines en Afrique, parce qu'il n'a pas oublié le fait pourquoi il était là. Parce qu'il y avait là-bas ses parents, ses frères, ses sœurs, qu'il fallait en tout cas s'en occuper, lui, ici en France. Donc nous, on a toujours gardé ce lien très fort. Alors vous, très jeune, vous décidez de devenir éducatrice spécialisée. Comment arrive ce déclic ?
Un jour, j'étais en CM2 dans la classe de Madame Dumais, ma maîtresse. Elle avait fait venir des intervenants, des éducateurs PJJ de justice. Et tout de suite, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Être dans l'accompagnement, aider en tout cas certains jeunes à pouvoir s'en sortir, à avoir un avenir meilleur, à avoir un bel avenir. Parce que pour nous, pour moi, c'était évident. On a tous droit d'avoir une chance et d'avoir un bel avenir et qu'on puisse en tout cas contrôler son avenir comme on le veut. Et moi, c'était ce que je voulais faire, vraiment tout de suite. Et depuis, je me suis accrochée à ça. Alors depuis plus d'un an et demi, vous avez mis en suspens votre carrière professionnelle. Vous vous consacrez entièrement à la cause de votre frère Adama. Adama est mort lors d'un contrôle d'identité. C'est quoi la réalité d'un contrôle d'identité quand on est un jeune noir ou arabe dans une banlieue française? La réalité, elle est triste. C'est que malheureusement, un contrôle d'identité peut emmener à la mort. Mon frère est mort à cause d'un système, que la France a créé depuis des années, depuis plus de 30 ans. Et on va aller même plus loin. On va remonter au temps de l'esclavage, remonter au temps de colonialisme, où il y a toujours cet esprit encore errant en France, où cette immigration qui vont arriver sur ces quartiers populaires, où nos jeunes frères, nos jeunes garçons seront pointés du doigt depuis leur scolarité, leur parcours professionnel, jusqu'à dans nos quartiers, où on va les enfermer dedans. Et quand dans ces quartiers, les policiers, les gendarmes arrivent, nos frères sont déshumanisés. Nos frères ne sont même pas vus comme des êtres humains. On va leur cracher dessus, des contrôles à répétition. Ils vont venir cagouler, aucun respect, le tutoiement. On va les tabasser. Pour certains, on va les violer. Et malheureusement, mon frère, on va le tuer. Mon frère est mort à cause de ce système que la France a créé autour de nos frères, autour de ces garçons, autour de cette immigration venue d'ailleurs, venue d'Afrique. Voilà comment les dommages collatéraux qui ont provoqué tout ça. Et aujourd'hui, nous, dans le combat de mon frère, c'est ce qu'on veut renverser. On veut renverser ce système-là, rééquilibrer ce système-là et de dire que ces jeunes garçons, c'est parce que j'ai encore des frères, d'autres personnes ont encore des frères, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de respirer, ils ont le droit de courir, ils ont le droit de circuler librement sans qu'on puisse les contrôler plus de 5 fois par jour et qu'on les connaît. On les connaît, c'est des policiers, des gendarmes qui connaissent les jeunes par cœur et qu'on leur dise, c'est des jeunes qui ont le droit de participer à la construction de ce monde, qui ont le droit de participer à la construction de leur avenir et qu'on n'a pas le droit de leur enlever, en tout cas cette vie, ce jour-là, ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon frère. Selon vous, comment vous expliquez ce constat que vous faites là, vous, là maintenant, sur cette stigmatisation Moi, mes frères ont subi de l'acharnement depuis leur plus jeune âge. Et moi, je suis éducatrice à Sarcelles, dans un club de prévention l'OPEJ, où on voit en tout cas comment ces jeunes, en tout cas, sont stigmatisés, comment ils sont mis sur le côté, comment le système ne veut même plus d'eux, où il faut les réintégrer, où eux sentent le rejet. Et tout de suite, on les voit comme des bons coupables. La France crée des bons coupables. Ces jeunes-là deviennent des bons coupables pour assouvir, en tout cas, ce système judiciaire, ce système policier et gendarme, où on leur donne ça. Et c'est bon, il n'y a pas de bons coupables. Nos frères ne sont pas des bons coupables. Nos frères, ce sont juste des personnes qui ont le droit de vivre. Et mon frère est mort à cause de ce système créé depuis des décennies, depuis toujours. Mon frère est mort parce qu'il s'appelle Adama Traoré, parce qu'il est noir et parce qu'il vient d'un quartier populaire. Et ça, on a envie de leur dire non. Alors, l'enquête sur votre frère a connu beaucoup de soubresauts. Une enquête est toujours en cours. Des versions contradictoires ont été données par les policiers. Vous dénoncez la communication du procureur. Qu'est-ce qui se joue à travers le combat de votre frère aujourd'hui? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, le combat d'Adama est un combat politique. Ce n'est plus un combat judiciaire, parce que si c'était un combat judiciaire, on demande la justice, on attend la justice chez nous. On n'a pas à se battre comme on doit se battre aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, notre famille subit un acharnement, des répressions, des pressions, des humiliations à la hauteur de notre mobilisation. Tout de suite, notre famille va être criminalisée, mon frère va être criminalisé. On va tenter de porter plainte contre moi. On va mettre mes frères en prison. Aujourd'hui, j'ai 3 frères en prison. Il y a Bagui qui est en prison, témoin principal de la mort de Adama. Bagui qu'on veut discréditer, dans la mort dans le témoignage de la mort de Adama. Yacouba qui est en prison ce jour-là. Yacouba a mis son pied devant la porte de cette gendarmerie le 19 juillet pour savoir où est Adama. Aujourd'hui, il est accusé de violence et d'intrusion dans la gendarmerie. Youssouf qui est en prison, on l'a mis en prison pour outrage et rébellion la première fois. Et on met des soutiens en prison parce qu'il faut savoir que le combat Adama est un combat local. Et c'est une force locale qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui, qui fait que c'est porté nationalement et internationalement. Et on met les jeunes en prison. Donc aujourd'hui, le combat Adama, c'est un combat où les politiciens sont spectateurs de tout ça, où ne disent rien et envoient les ordres. Et au vu de tout ce que vous décrivez, est-ce que vous avez déjà pensé à quitter la France? Aujourd'hui, non. Non, jamais. Aujourd'hui,
on ne peut pas quitter la France, je ne peux pas quitter la France. Aujourd'hui, on se bat pour la justice et vérité pour Adama. Tant qu'on n'aura pas la justice et vérité pour mon frère, on restera là. On continuera le combat, on sera là de pied ferme. Et le combat, il faudra le continuer parce que le combat, c'est ne pas que pour Adama. Mmh. C'est, comme je l'ai dit au début, c'est un combat où il faut renverser ce système qui a été créé depuis des décennies autour de nos parents, jusqu'à nous. Et aujourd'hui, on se fait tuer. On ne peut pas rester spectateur de tout ça, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Donc oui, il faut rester parce que nous avons des enfants. Mmh. Et il y a une jeunesse encore qui arrive où il faut se battre pour eux. Vous êtes donc une mère de 3 enfants. Comment on arrive à garder du temps pour soi dans ce combat de longue haleine? On est une grande famille. Et c'est un combat qui est porté par toute ma famille, du plus petit au plus grand. Chacun a un rôle très important. C'est vrai que c'est moi qui suis sur le devant de la scène, c'est moi qui parle. Mais on sait se disperser, dispatcher en tout cas les tâches. Et après, nous avons, comme dans la culture africaine, nous avons nos mamans qui sont là, qu'on chérit en tout cas très fort pour nous aider en tout cas dans notre quotidien, nos frères, nos sœurs et nos amis qui sont là. Et après, nous sommes présents aussi dans le combat. Et c'est un combat où mes enfants, je veux qu'ils participent en tout cas de loin. Comment vous leur expliquez ce combat justement? On leur parle de leur tonton. Parce que c'est un tonton qu'ils ont aimé, qu'ils ont connu. Et c'est important pour eux qu'ils sachent que leur tonton n'est plus là et que les gendarmes l'ont tué et que ce sont ces mauvais gendarmes. Nous sommes contre ces mauvais gendarmes parce qu'il faut savoir que les gendarmes ou des policiers sont des gardiens de la paix. Ils sont censés nous protéger. Donc on leur dit qu'il faut faire la part des choses et que c'est un combat qu'on doit mener. Et aujourd'hui, ce combat-là, quand on parle de militantisme, militer pour quelque chose ou peu importe les causes, on devrait nous l'apprendre depuis notre plus jeune âge et ne pas rester spectateur de tout ça et subir tout ça et se lever et réclamer une justice qui nous est due. Alors l'un de vos slogans, justice pour Adama, sans justice vous n'aurez pas la paix. Vous, Assa Traoré, quand est-ce que vous trouverez la paix? On ne la trouvera jamais la paix. Mais notre cœur sera soulagé quand les gendarmes seront punis, en tout cas à la hauteur de leurs crimes. Dont on veut qu'il y ait une condamnation, on veut qu'il y ait une condamnation très ferme, on veut que la mort de mon frère soit reconnue à Adama. On a fait d'Adama un symbole, Adama est devenu un symbole, Adama est représentatif d'un très gros mal-être de la France. La France va très mal, la France est touchée par beaucoup de choses dont la jeunesse, en tout cas française, ces jeunes noirs, ces jeunes arabes, ces jeunes qui ont la mauvaise couleur. On l'aura seulement quand on arrivera devant ce tribunal, ce palais à Paris et que les juges vont condamner, en tout cas ces gendarmes, et où on va commencer notre deuil en tout cas. Merci beaucoup Assa Traoré d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Lettre à Adama, écrit avec Elsa Vigoureux, qui est paru aux éditions du Seuil. Vous y racontez votre combat. Les bénéfices du livre seront entièrement reversés au combat judiciaire. Merci Assa Traoré d'être venu sur ce plateau. Merci.